Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, enfin une petite, je pense qu'elle va être assez longue, mais vous allez voir comme la suite en mode rapide, ce sera la construction de la commode en cartonnage, voilà. Donc j'ai terminé la découpe de tous mes cartons, sauf, comme je vous avais dit, sauf le gainage et les séparations intérieur des tiroirs, puisque je veux le faire après la construction initiale de la commode et des tiroirs pour ne pas découper dans les mauvaises dimensions. Donc là, je vous montre voilà tout ce que j'ai découpé. Donc là-dedans, il y a 3 plaques de carton et comme je vous avais dit, il y a 56 pièces de carton en 2 mm. Mes poignées s'en rappellent et même mon tuteur s'en rappelle parce que de toute façon là, la lame est morte, elle a rendu l'âme, il faut que je change la lame, il était temps que j'arrête de couper. Donc là la suite, vous verrez, je vais essayer de faire la vidéo en une seule partie, je verrai comment ça va se passer. La longueur de la vidéo et je vous dis là je vais le passer en mode rapide. Alors là par contre vous allez dire que je suis une vilaine en ce moment, je vous fais pas de tuto, mais vu la complexité de ce cartonnage, m'est impossible de vous faire un tuto parce que ça va être là, ça va être hyper long si je vous fais un tuto. Parce que bon, je vous dis, c'est une commode, il y a 5 tiroirs, donc tous les tiroirs, il y a 2 grands tiroirs, il y a 3 petits tiroirs, donc c'est pas pareil, les dimensions ne vont pas être les mêmes, et ça va être vraiment très compliqué à vous expliquer pour un tuto, voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais là, ça va, pour un tuto, ça va être trop long, voilà, parce que cette boîte, bon, à vue de nez, là déjà pour la découpe, pour le traçage et la découpe de ces pièces-là, seulement de ces pièces-là, ça m'a pris plus de 2h30, on dirait même près des 3h, donc, et maintenant l'assemblage va me prendre plusieurs heures, même plus, je pense même plusieurs jours, donc je ne peux pas vous faire un tuto, c'est impossible, mais vous, donc vous verrez quand même la construction de la boîte, enfin là c'est pas une boîte, je vous dis c'est une commode, donc j'espère que vous m'en voudrez pas de ne pas faire de tuto. sinon ben j'ai pas plus de choses à vous dire pour cette construction. Donc là c'est pour une commande, donc quand vous la verrez à la fin, bon, si jamais cette commode vous intéresse, si vous en voulez une comme ça, il y aura possibilité que j'en refasse, hein, que je pourrais refaire sous commande, j'en referai, et donc dans ce cas là il faudra prendre contact avec moi en sachant que du coup, vu le temps que ça me prendra pour la construction, il y aura un laps de temps quand même pour que je puisse la faire, en sachant si j'ai d'autres commandes. Ben là, j'ai d'autres commandes à faire puisque j'ai encore une autre commode encore plus complexe à faire et j'ai une autre commande pour une boîte. Donc, il y aura toujours un laps de temps d'attente pour le faire. Voilà. Mais je ferai une vidéo pour les commandes, comment ça va se passer, les conditions, voilà. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. Comme ça, vous saurez comment ça fonctionne. Là, je ne vais pas en parler maintenant, ça va être mélangé dans la vidéo, ça ne sert à rien. Donc, je ferai une vidéo spéciale pour les commandes de boîtes, si ça vous intéresse. Dites-le-moi en commentaire seulement, si ça vous intéresse d'avoir une vidéo spéciale commande, explication de commande. Voilà.
Donc là maintenant, je vais tout préparer pour attaquer la construction de cette commode. Donc on va changer le téléphone de... Je cherche toujours mes mots, hein, ça c'est... La vue du téléphone, voilà, pour que vous puissiez mieux voir la construction. Alors, au début de la vidéo, je vais vous remettre les 2 petites minutes que j'ai fait une vidéo, la dernière vidéo là que je vous avais fait. Je vais remettre les 2 petites minutes dans cette vidéo pour celles qui ne l'auraient pas vue. Alors, par contre, je vais le repasser en accéléré un peu plus vite pour vous montrer le découpage. Voilà, pour celles qui ne l'auraient pas vu. Voilà, donc, si jamais celles qui l'ont vu, si vous voulez passer ce petit morceau, il y aura, je pense, 2 minutes. Vous pourrez passer au-dessus. Mais bon, ça va vite, hein, 2 minutes. Voilà. Donc là, je vais tout préparer, ma colle, mes pinceaux, mon sopalin, mes tissus. Et je vais attaquer. Et puis mon papier, mon craft. Voilà. Et en même temps, je profite, dites-moi si ça vous intéresse aussi d'avoir une vidéo pour savoir comment démarrer le cartonnage, le matériel qu'il faut, voilà. Si ça vous intéresse d'avoir une petite vidéo là-dessus, c'est pour celle que ça intéresserait de démarrer le cartonnage. Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel, qu'est-ce qu'on... Voilà, je peux vous faire une petite vidéo là-dessus. Allez. Je vais attaquer le collage de tout ça et on se retrouve tout de suite pour la construction. À tout de suite.
Voilà, la première partie de la commode est terminée. Donc, oh, voilà Fifi. Attends Fifi, parce qu'il faut que je montre. Hop là. Donc, la première structure est terminée. Donc là, vous avez vu que j'ai mis des scotch violets. C'est pour tenir le dernier plancher pour qu'il colle bien. Parce que là, ben, comme c'est en haut, j'ai rien pour le soutenir. Donc là, il va coller comme ça pendant une petite heure, ben, le temps que je déjeune. Et j'ai fait une erreur tout à l'heure. Voilà, j'ai mis un tissu ici. Je me suis trompée de planche. Je pensais que c'était le plancher, mais non, ça c'est le dessus. Voilà, c'est ce qui va venir ici au-dessus. Mais bon, ça fait rien. Je vais le remettre. Bon, le tissu, je ne peux plus le décoller. Hein. Bon, ça, c'est pas un problème. Je vais le recoller et je recollerai l'autre tissu au-dessus. C'est pas un gros souci. Voilà. Donc, voilà. Je fais une petite erreur. Ça arrive. Donc, voilà. Donc, la grosse structure. Bon, là, j'ai mis ça. C'est pour que ça tienne. Voilà. Donc, vous voyez, on aura un petit tiroir ici, un grand, un petit, un grand et un petit. Voilà. Donc là, maintenant, bon, ça, je peux l'enlever, oui. On aura un soutien, oui, à peu près. on aura en tout, donc, 1, 2, 3, 4, 5 tiroirs. Après, quand j'aurai terminé, là, je vais faire le dessus cet après-midi. Je vais attaquer les tissus et après il me restera donc les tiroirs à faire. Voilà. Je suis pas prête d'en faire une autre parce qu'elle est. Mais bon, là j'ai fait quelques erreurs, j'ai dû recouper. Alors en fin de compte, il me fallait pas 56 pièces. Non, il m'en fallait 60. J'avais oublié de couper les planchers. Donc ça va. Je me suis aperçue, bah, en les posant, on s'en aperçoit qu'il en manque. Mais non, voilà. Donc là, je vais laisser tout ça bien coller ce midi. Et après, je vais mettre le dessus et je continuerai donc avec la première partie du tissu extérieur. Et après, on fera les tiroirs. Donc voilà. Donc je vous remontre la première partie. Voilà. Donc là, c'est scotché avec du provisoire. Donc là, je scotche avec ça. C'est le scotch, vous savez, qu'on met au bord des fenêtres quand on met en peinture. Donc ça ne va pas coller sur le carton. Ça ne va pas arracher le carton. Donc voilà pour cette première partie. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve ben, très rapidement. Ouais, j'espère rapidement pour la deuxième partie de cette construction de commode. Et je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt. Bisous, bisous.